Non, parce que si on joue le tag Z, on va. Du coup, je vais me dire, tiens, faut absolument que je mette Goku Namek pour lui donner Kabza Zenkai, mais du coup, faut que j'enlève Vegeta Evo, mais du coup, Vegeta Number One perd ça à Kabza Zenkai. Bref, c'est pas ouf, quoi. Ou alors j'enlève la Kabza HP, mais bon, du coup, la Team Tank 0. Le tag Z, il est catastrophique. Hein, j'adore le perso, mais ça, merde. En fait, les gars, vous savez comment je fonctionne maintenant? C'est que j'ai oublié qu'il existe dans le jeu. Et comme ça, je demande qu'il y en ait un nouveau qui sorte tout le temps. Ça va être mon nouveau pressing, ça. Je vais faire genre, il n'existe pas dans le jeu. Et comme ça, je vais pas arrêter de dire, ouais, un nouveau tag Sagabou. Pour qu'il y ait celui, j'espère un jour, qui sorte celui de la fin et du Genkidama, comme je vous disais tout à l'heure. Et ouais, la récupération de ki ici. Support. On n'a même pas fait proc le soin, ni la réduction de temps d'attente. On fait un petit passage par Vegeta Number One. Réduction de ki. Par Frank Sicari. Pour l'instant, sur le papier, c'est parfait ce qui m'arrive. Je te déteste le jeu, par contre. Ok. En vrai, je sais pas s'il a les dégâts pour prendre le kill, par contre. Parce que le personnage, il prend des dégâts lorsqu'il... Ouais. Ah ouais. Ah, je vais pas prendre le kill, là. Ah. Aïe, aïe, aïe. Ah, ouf. Ouah, ça fait trop... Ça fait trop bizarre. Trop longtemps que j'ai pas revu son attaque. Ok. Enfin, ça a l'air, pardon. N'empêche, la team elle est full life. Pas dégueu les gars, ah ouais non je... J'aimerais trop que le personnage il est, si un jour il est un Zenkai, vous savez qu'il est un peu comme Mirai Gohan ou Pan, lorsqu'il se fait taper il booste la team. Parce que en vrai avec son cut de ki ça marcherait bien. Il est dans la merde. Bah oui, évidemment, hein. Bon. Bah oui. Évidemment. J'aimais bien dans le... Ok. Allez. Ah, ça manque de dégâts quand même, hein. Ça manque un peu de dégâts quand même hein, dans l'idée. Ça manque aussi de la réduction de temps d'attente lorsque les alliés prennent une spé ou un truc comme ça. Ça manque aussi d'une survie au chaos. Non, je... Peut-être pas quand même. C'est un peu fort quand même. Et
J'ai envie de terminer Vegeta number one. Let's go. Un perso comme Gohan Beast sorti en Legends Festival. Je trouve ça normal que ce soit mis un perso de jeu. C'est normal. Pour moi, c'est normal. À sa sortie, je trouve que c'est vraiment normal. Parfait ça. Celle-là, elle vient au bon moment. Ah, ce qui est chiant, c'est le genre de perso là où quand tu switches, tu leur redonnes du ki. Du coup, en vrai, bon. Ton cut de ki est relativement inefficace. Par contre, 3 millions 6 d'HP, Trunks. Waouh, comme il m'a arrêté là, il m'a détruit toutes mes cartes. Vraiment toutes mes cartes, j'avais plus rien à faire. Oui, avec son temps d'attente aussi, j'en ai pas parlé ça. Ah, je sais pas. Ah putain. Rising, non? Le mec qui veut absolument tuer avec Vegeta number one, c'est le maxeur, c'est genre le maxeur des showcases. C'est moi, l'originel. Rose Ultra, moi quand je le vois, il me détruit encore. Hein. Il me pose de gros problèmes, moi le perso, encore. Hein. Il est fort, Rose Ultra, quand même. C'est quand même un perso fort, tu le vois. Dans... Non mais là par contre c'est grave. Il m'a détruit la carte que j'étais en train de cliquer dessus. Du coup j'ai fait un tap attaque dans le vide. Oh Rosé 14 étoiles, je fais de ces dingueries frère.
Rosé 14 étoiles, SP, même en début de game, accroche-toi. Hein. Bon, je suis en train de passer à côté de la game, là. Faut que je me concentre un peu, là. Vraiment, vraiment. Bêtement, c'est tout. C'est tout vachement bêtement, parce que j'ai eu deux open qui étaient assez simples à prendre. Qui va prendre la cover là-dessus? Ah, je l'ai mis juste après. C'est pas sympa, ça. C'est pas sympa, ça. J'ai pas pu soigner avec le main du perso. Je m'en doutais, c'est pas sympa. C'est pas sympa du tout. De tirer. Et tu lances comme ça. Et bien là tu prends ça, tu la coinces contre ton bras et tu fais un effet. Oh, j'ai mis un strike, mais il était incroyable. Ah non, je vous jure, c'était trop stylé. Comme dans sur Wii Sport. Tu sais, je me suis mis de côté, la boule elle a tourné comme ça. Elle est passée à deux doigts de la gouttière. Et elle est revenue au milieu, boum. Strike. Et là je me suis dit. Et en plus, le premier essai que j'ai fait comme ça. Mon pote, il m'a dit, ouais, bon, tu verras, c'est trop dur et tout. Promis, je fais strike comme ça. Oh, je me suis dit, mais oh là là, j'ai une carrière toute dessinée. Bon, après, j'ai pu refaire un strike. Sympa, la connexion en face, c'est cool. En vrai, c'est agréable. Arrêtez, bande de pervers. Ah non, mais franchement, j'ai été choqué, hein. Ah le, là ça m'a donné trop, ça m'a réconcilié avec le bowling. Bon frérot, bien fait pour toi. T'as qu'à pas lag. Allez hop. Toi tu l'aurais pas pris si t'avais pas lag, bah tu sais quoi. Gardez-moi ça, la team. C'est full life, tout ça. Hop, soin pour lui-même, soin pour les alliés. Je suis mort. FF. Mais FF de quoi? Il va faire quoi, son tag, là, avec Goku, Namek, le tag TDP? C'est quoi, c'est une team de merde? Qu'est-ce que c'est que ça? Qui lui dit? Allez, c'est fini. C'est fini, t'as perdu. T'as perdu. Tchouf. Tchouf. Mort. Oh la gueule du type, mon dieu. Oh la gueule. Comment je vais t'exterminer ta race, toi? Je te jure. Carrément, je vais t'exterminer ta race. Putain, t'es lag, hein, frérot, hein? Hein? Hein?
Tu sais, hein, tu sais ce qui se passe là. Je peux rien faire. Tu vois bien qu'il y a un truc qui va pas. Tu vois bien que t'es pas bon au jeu, toi. Et que tu gagnes tes games parce que tu cheats. Tu vois bien le problème, là. Oh là là. Quoi ? J'espère que c'est une blague, là. Bah fais ta vie, en fait. Fais ta vie, t'as le droit de faire ce que tu veux. Donc fais ta vie. J'ai le droit de taper ou... Et puis, merci à tous, bah les gars, ça fait plaisir que ça vous fasse plaisir. Voilà. Ça me fait très plaisir que le live vous fasse plaisir. J'étais un number one, va sa double rouge, ça va être une game sympa, je pense. Hein. Il va s'amuser, perso. Viens là, je vais t'encaisser comme il se doit. Réduction de ki. Et on passe sur Trunks. La vérité, c'est fort ça, un peu quand même. Non, la vérité que c'est fort ça. Il met son petit support. Le petit soin pour la team. Tu passes sur Trunks. La transfo. Ça met. Des fois, quand je joue Beast et que j'ai pas le choix, j'ai besoin d'aller chercher une nullification, je le fais, mais. Pour faire ça, c'est pas fou. Un Zenkai, je vous jure, un Zenkai, mais comment ça serait cool. C'est Gamma 2 qui cover, qui combo pas sur ça. Sur sa spé. Il dure longtemps sur Locke quand même. Pas trop switch là. Hein. Je suis un peu coincé. En vrai, je dis ça, mais tout à l'heure, j'ai dit une connerie en vrai. Parce que Midori, il nullifie. Non, vraiment, il a vraiment. Oh putain, j'ai. Vraiment, le perso, ça serait vraiment cool, hein, quand même. Je vais passer à travers et il va me mettre quelques petits dégâts quand même. Ça va. Pas étoilé dans une team pas optimisée. Quand même. On est bien d'accord. Il est pour un stand-by lui. Ah oh, ok. De toute façon, P2, les gars, c'est ce que je disais. Tant que c'est crédible. Voilà, moi, il faut que ça soit crédible. Et pour moi, Zamasu, tout ça, c'est crédible. Mais voilà, le principal, c'est que ça soit un minimum crédible. Pour être une star de la plus grande célébration de l'année. Parce qu'il y a des gens qui l'oublient. C'est la plus grande célébration de l'année. Ce n'est pas l'anniversaire. C'est la plus grande célébration de l'année. Donc bon. J'ai pas forcément double portail, hein. Simple portail, c'est bien. Mais...
Et je vais te terminer avec Vegeta Number Wanda. La vérité, moi, j'ai... En fait, là, tu vois toutes les forces du perso. Mais il a pas des milliards de faiblesses non plus, mis à part qu'il tape zéro. Mais en vrai, ça, je pense qu'ils peuvent le résoudre facilement avec un Zenkai. Il va tanker si jamais il a un Zenkai, je pense que ça, pas trop de doute. Plus, il est capable de nullifier. C'est une bête de réussite, ce perso, quand même. C'est là, en fait, là, en le jouant comme ça, c'est trop facile de comprendre pourquoi il était fort avant. Typiquement, c'est ça. Genre, c'est trop simple de comprendre pourquoi il était fort avant Vegeta Number One. Bon, ça va, t'es là sur Vegeta Number One, on va aller jouer autre chose.